Ils ont terminé en beauté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mardi 19 novembre, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Sao du Tchad 4-0 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au terme du match, les deux entraîneurs reviennent sur les performances de leurs joueurs. On leur a demandé de mettre beaucoup de pression à l'adversaire parce qu'on voulait qu'ils étouffent et on savait aussi que si dans les attitudes et dans les comportements on était agressif, on allait avoir le public avec nous. Donc non, on a vraiment insisté sur ça, sur la solidarité, sur l'esprit de commando. On n'a pas été assez bon dans la dernière passe, le dernier geste ou certains choix. On a été bon dans la conservation du ballon à certains moments, mais voilà, il faut encore développer. Grâce à cette victoire, les champions d'Afrique restent à la deuxième place de leur groupe derrière les Chipolopolo de la Zambie et se qualifient pour le Maroc 2025.